Le défi pour ces 60 apprenants, réaliser un objet connecté en 48 heures à partir de matériaux et de composants. Nous, notre objet, c'est un pilulier connecté. Là, il y aura un digicode avec la date, l'heure. Et chaque compartiment des pilules aura des LED pour à l'heure où on prend les traitements. On est en train de construire une maison et en fait on crée un système d'automatisation d'ouverture et fermeture des portes en fonction de la température et l'humidité extérieure. Donc c'est complètement dans la démarche énergétique actuelle. Élèves post-bac, en alternance ou salariés en reconversion, tous apprennent ici les métiers du numérique, que ce soit dans la programmation informatique, dans la cybersécurité ou dans les métiers du marketing et du commerce digital. Le numérique, un secteur où les objets connectés sont omniprésents. Nous sommes nous-mêmes en immersion totale dans les objets connectés. On parle de voitures connectées, on parle d'enceintes vocales qui vont permettre de donner des commandes à distance. Bref, ça fait partie aujourd'hui de notre quotidien. Et donc ce qu'on voulait, c'était au travers de cet exercice très pratique, ce hackathon, permettre à nos apprenants, qui sont là seulement depuis 3 mois finalement, de mettre en œuvre leurs compétences et de rendre réel un projet qu'ils auront entièrement programmé. Avec l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle, de nouveaux métiers vont apparaître, offrant des débouchés professionnels aux 200 apprenants formés par Metz Numérique School.